Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite non seulement à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Là, présentement, j'ai à ma disposition le discours de Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, bien évidemment. Et j'ai une petite actualité à partager avec vous pour la simple raison que la CAF annonce la Super Ligue africaine d'ici août 2023 pour une dotation de 86 millions d'euros. Qu'à cela ne tienne, nous allons écouter d'abord le discours du président Samuel Eto'o et je vais vous donner mon avis par rapport à cette sortie, bien évidemment. Oubliez les arbitres. Personne ne va vous donner vos victoires. Oubliez les arbitres. Faites comme si vous jouez 14 contre 11. Oubliez, vraiment, ma petite soeur. Oubliez les arbitres, oubliez tout. Vous êtes beaucoup plus forte. Vous l'avez montré. Il y a eu des occasions, ça arrive. Moi-même, j'ai marqué souvent des buts où on attendait que j'allais juste pousser. Mais ça arrive. C'est le football. C'est le football. Restez en groupe. Vivez bien, le prochain match, il vous faut une victoire pour assurer déjà votre place au prochain tour. Et surtout, ne vous laissez pas distraire par des personnes qui viendront peut-être vous dire que tel ne vous a pas passé le ballon. Non, non, non. On a notre objectif, c'est notre groupe et on doit bien vivre ensemble pour atteindre notre objectif, qui est d'aller en Coupe du Monde. Et pour ça, on doit atteindre un niveau de la compétition et vous êtes capable, vous avez trouvé aujourd'hui. D'ailleurs, j'entre ici, je vois que vous êtes tous tristes, mais vos adversaires sont très heureux d'avoir fait un match nul contre vous. C'est aussi ce que vous avez apporté durant toutes ces années. Donc, le prochain match ne sera pas facile, mais préparez-vous, parce que je suis convaincu que vous allez le gagner. Je ne serai pas là au premier match, mais c'est tout comme. Au deuxième match, je ne serai pas là. Mais c'est tout comme, ma maman, elle est avec vous et s'il y a n'importe quel problème, je prendrai mon avion pour venir. Ok? Beaucoup de courage, ma petite sœur. Hein? Ok. Coach! Là, nous venons d'écouter le discours du président Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'il faut en retenir par rapport à cela? Moi, particulièrement, j'attendais une sortie de ce genre très posée. On ne brusque pas les Lions, il ne faudrait pas qu'elle... Qu'on les compare aux Lions, bien évidemment, là-bas, ils ont un objectif, ils représentent valablement le pays. C'est vrai que les Lions en font partie, mais l'objectif principal ici est de ne pas trop les booster. Elles ont donné le meilleur d'eux. Pour ceux qui ont écouté mon début, je vous ai dit que les gars, les filles ont mouillé le maillot. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait prendre en compte. La seconde des choses, en ce qui concerne la qualification pour les demi-finales, ou alors pour le mondial, bien évidemment, pour que au moins le Cameroun parte au mondial, il faudrait au moins ce qui soit d'abord en demi-finale. Ça, c'est la première des choses. Il faut qu'au moins qu'ils sortent troisième. Parce que si je ne me trompe pas, on prend les trois premiers. Les trois premiers durant la compétition. Ça, c'est l'une des choses à prendre en compte. Maintenant,
En ce qui concerne le match amical Sénégal-Cameroun, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu ce match. Ce match était vraiment prémédité, si je peux le dire, pour la simple raison que pour les phases de poule, si le Cameroun est deuxième de sa poule, elle va rencontrer le premier de la poule, soit le Maroc, soit le Sénégal. Raison pour laquelle je dis que ce match était prémédité. Et le premier de la poule C va rencontrer le troisième de la poule A. Vous vous rendez compte, il faudrait que le Cameroun soit premier de sa poule pour rencontrer soit le Maroc, soit le Sénégal. Parce que le premier de la poule A va rencontrer le troisième de la poule C en quart de finale. Maintenant, ce qui concerne les quarts de finale, vous vous rendez compte que directement, nous passons des phases de qualification pour les quarts de finale. Ça veut dire quoi? La compétition en est encore bas. Et il faut, pour que l'effectif de l'équipe augmente, l'effectif de la compétition augmente, pardon, il faudrait au moins ce que le Nigeria en elle paie 4 coupes d'affilée. Et je ne vois pas l'équipe nigérienne 4 ans comme ça. Si je dis même 4 ans, c'est 8 ans. Pareil, c'est 2 ans. C'est 8 ans à peine. Je ne vois pas le Nigeria en baisse de performance durant 4 ans pour qu'on augmente l'effectif. Il faudrait que la prochaine équipe qui vient doit au moins avoir 4 coupes d'Afrique pour que la CAN un jour pense qu'ils vont augmenter l'effectif pour que nous ayons maintenant les 8e de finale. Et pour petit rappel, on prend 3 de chaque poule. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'enjeu qu'il y a. On prend 3 de chaque poule. Dans le Cameroun, on doit absolument être premier ou deuxième pour ne pas rencontrer le Nigeria. Ça, c'est, si on fait cette erreur, nous sommes dans l'eau. Si nous blaguons, nous allons rencontrer le Nigeria en quart de finale. Donc, faisons le maximum pour ne pas atteindre, soit nous devons être au tout prix premier de notre poule pour espérer arriver en demi-finale. C'est ce que moi, j'ai constaté par rapport à ce match de préparation amicale Sénégal-Cameroun. Et pour le niveau du jeu jusqu'à la présent, j'insiste que les Lions se sont donnés à fond. L'équipe en a été constituée pratiquement des nouvelles. Nous avons 7 anciennes et 19 nouvelles. Vous voyez, elles viennent tous de débuter une coupe et qui est d'ailleurs une première pour elles. Donc, il ne faudrait pas les mettre trop la pression. En fait, ça, c'est mon avis personnel par rapport à cela. Je t'attends dans les commentaires pour pouvoir ouvrir des débats. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Là, je suis juste en train de représenter le pays, le vert ou jaune. On va aller loin. Toutes mes vidéos se feront désormais sur cette page. Donc, toutes les vidéos durant le mois de juin, étant donné que j'en ai 2 à ma disposition. Ça, c'est la seconde page. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je ne tourne pas sur la première page. Sur cela, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.